Bonsoir à tous, le CAC 40 a plié ce mardi sous l'effet de prise de bénéfices. Et une séance difficile aujourd'hui pour les constructeurs automobiles. Renault et Peugeot terminent dans le bas du palmarès du CAC 40. Du rouge aussi pour Essilor qui poursuit son offensive dans la vente en ligne avec le rachat du britannique MyOptic Group. Et à l'inverse, les valeurs pétrolières continuent de s'illustrer, portées par la remontée du baril de pétrole. Et puis très gros rebond enfin à retenir pour ArcelorMittal. L'agence de notation Moody's a relevé la perspective du groupe à stable. Le titre Air Liquide était entouré aujourd'hui, profitant de rumeurs évoquant une concentration sectorielle. L'allemand Linde a entamé des discussions avec l'américain Praxair en vue d'une éventuelle fusion. Cela créerait le numéro 1 mondial du secteur avec une capitalisation boursière de plus de 60 milliards de dollars. Il ne s'agit pour le moment que de discussions et puis le projet pourrait se heurter aux réticences des autorités de la concurrence. En tout cas, cela marquerait une étape importante dans la concentration du secteur des gaz industriels. Il y a quelques mois seulement, Air Liquide avait bouclé le rachat de l'américain Airgas pour 10 milliards de dollars. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous demain à 9h30.